Prions hein, pour la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de petits détails dans lesquels Dieu nous fait plonger. Et que Dieu nous aide. Mais comme tu viens là, c'est comme ça que tu t'en vas. Amen. C'est pas Crasso qui dit, c'est la Bible qui dit ça. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce et merci pour la manifestation de ton esprit en cette date aujourd'hui, dimanche 29 décembre 2019, qui est justement le dernier jour, le dernier dimanche de l'année. Nous voulons te saluer, Dieu, et te bénir pour tout ce que tu fais. Utilise ma personne de bénir et ton peuple au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. Amen. Amen. Ben, chez moi, tout va bien. Amen. Amen. Ben, il fait beaucoup froid. Hier, on n'a pas pu échanger. Il fait beaucoup froid ici, les activités. Je suis en train d'organiser un grand programme. Le programme d'aujourd'hui, dimanche, est celui du 31. Voilà, du 31. C'est pas facile. C'est pas facile d'être entre deux activités, c'est-à-dire deux églises, tout ça. Les deux églises, l'église de Divo et celle d'ici. Voilà. Et par la grâce de Dieu, il y a aussi toute une organisation que je suis en train de mettre en place. Dieu merci. On a essayé, Dieu, comme c'est son œuvre, il essaye d'inspirer, il essaye d'orienter cette œuvre à sa manière. Et ça, c'est ce qui est le plus important, à sa manière. Voilà. Voilà, donc, je bénis le nom du Seigneur pour tout ça. Et nous sommes aujourd'hui le dernier, c'est le dernier, pratiquement le dernier. Voilà, le dernier dimanche du mois de l'année 2019. J'espère que vous allez bien. Amen. Ah, vous êtes bizarre aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe? Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Yes. Jésus est puissant. Hein? Jésus est puissant. Ah, il est puissant. C'est lui qui veut le diminuer là. Il est puissant. Amen. 2019, ça n'a pas été facile pour d'autres. Ça a été facile pour d'autres. Mais une année, vous voyez, une année qui semble difficile. Annonce toujours une bonne année. Amen. Voilà, parce que Dieu, il prépare toujours les gens. Dieu, il forge les gens dans les difficultés. Dieu, il forge, il arrive à purer les gens dans les difficultés. C'est pour ça que quand vous trouvez là, vous savez très bien que la région de Divo, l'eau du bois, tout ça, c'est la région de l'or. Tout le monde sait comment on fait l'or. L'or, quand vous voyez l'or, c'est comme du sable, vous pouvez même jeter l'or, vous pouvez banaliser. Mais pour que ça soit pur, ça passe au feu, et le feu, c'est pas une messe à faim. Voilà, mais il faut que ça passe par là. Si le Seigneur aimerait que vous brilliez, si Dieu veut que vous brilliez, votre vie brille, vous allez traverser les moments les plus difficiles. Voilà, parce que ça a été comme ça, même avec Christ. Voilà, donc, c'est comme ça. Les difficultés font partie, n'est-ce pas, du quotidien de celui, n'est-ce pas, les épreuves font partie du quotidien de celui que Dieu veut élever. Si Dieu veut t'élever, il va te faire traverser pas mal de choses. Que ça soit dans le domaine religieux, que ça soit dans le domaine politique, que ça soit dans le domaine de la vie, si Dieu t'a appelé au sommet, que Dieu t'a appelé une position de gloire, il va te faire traverser des choses. C'est à l'image de... je vous ai parlé de Mandela, nous connaissons tous son histoire. Nelson Mandela, c'est un avocat, un juriste. Alors, Dieu lui met à cette époque-là, j'avais l'apartheid. C'est-à-dire que les blancs prenaient le dessus, les noirs n'avaient plus de parole. Il a eu un rêve. Alors, il s'est battu pour ça. Il a décidé, dit, il faut que je rétablisse l'ordre et que les Africains aient leurs droits ici.
en Afrique du Sud. Et ce n'était pas une chose facile à cette époque. Il y avait, n'est-ce pas, les Blancs qui étaient à la tête, donc le président, c'était les Blancs et tout ça, toute l'administration, mais il s'est battu. Les gens ont tout fait pour le dissuader, mais ça n'a pas marché. Sauf cela qu'il y a un rêve. Il ne faut jamais baisser les bras pour un rêve. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui les gens t'attaquent. Parce que quand quelqu'un, quand vous attaque, quand t'attaque, que tu baisses les bras, ça veut dire toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Amen. Si tu penses que tu vas vivre, puis les gens vont t'acclamer, mon œil. Non, non, non. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas écouter les gens. Alors, on prend Mandela, on le met en prison. On l'a mis en prison. Vous savez combien de Mandela a fait? Tout le monde sait. Nous connaissons l'histoire. Mandela a fait 25 ans. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est un quart de siècle. 25 ans. 25 ans. 1, 2, ce n'est pas 5 blessés un jour. C'est 25 années. C'est pas 25 semaines, il a fait 25 ans. La seule chose, c'est de croire son rêve. Si vous ne croyez pas à vos rêves, ça sera difficile. Parce que quand vous ne voulez pas, il y a des gens qui vont vouloir forcément vous combattre. Et il y a des gens qui ne dormiront pas. Hein. Vous savez, il y a des gens, eux, leur souhait, c'est que vous ne soyez pas heureux. Quand il se réveille le matin, lui ne veut pas que tu sois content. Il ne veut pas, quand tu souris, il est fâché. C'est pas ça. C'est comme ça. Amen. Quand lui te voit content, ben c'est la sorcellerie. C'est la plus sorcellerie, c'est-à-dire, il n'est pas content. Quand toi tu es heureux, lui, il s'énerve. Toi, tu es qui? Il n'est pas le même sous de vie de quelqu'un. Alors, puis là, dans la vie, là, il n'arrive qu'un homme, ce que Dieu aura décidé. Mais en même temps, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez retenir dans la vie, c'est celui qui est bon qu'on attaque. Si vous voyez que les gens ne vous lâchent pas, c'est que vous êtes important. Même votre ennemi qui vous attaque, il sait qui vous êtes. Lui-même, il sait. Dis à quelqu'un, il sait. Dis à quelqu'un, il sait. Il sait. Dis à ton voisin. Il sait. Ah, il sait. Si tu n'es rien, il ne va pas t'attaquer. Lui-même se révèle. Il sait qui tu es. Amen. Donc, il ne faut pas lui donner raison. À cause de lui, tu as pu sourire. Il est Dieu ou bien. Amen. Non, on m'attaque trop. Mais c'est pas dit, c'est important qu'on t'attaque. Amen. Papa. Moi, les choses, je ne vais plus considérer. Et ça, c'est la vérité. Malheureusement, ceux qui aiment, ceux qui aiment attaquer la vie des gens, ceux qui aiment parler de la vie des gens, ils sont toujours en retard. Regardez bien leur. Amen. Amen. C'est eux toujours. C'est eux toujours qui parlent des gens, mais regardez leur vie, comment c'est. Amen. Regardez dans la vie là, frère. Il faut avancer. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas considérer. Amen. Vous savez, 2019, certainement, ça a envoyé peut-être d'autres difficultés, mais les difficultés, là, nous enseignent. Ça vient pour nous enseigner. Celui qui n'apprend pas dans les difficultés, mais c'est qu'il est lâche, parce que l'école même, la vie est une école. La vie, là, c'est une école. Il y a CP1 dedans, il y a crèche dedans, il y a il y a université dedans. Il n'y a jamais terminé à CP1, il meurt, parce qu'ils sont découragés. Non, le découragement n'est pas chrétien. Non, 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 non. On ne sait jamais. Tu peux mal commencer et bien finir. Les hommes qui ont été les plus humiliés sur cette terre, c'est des gens que Dieu a élevés. Et ça, je vous dis la vérité. C'est la vérité. Amen. 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 Que Christ a connu que toi t'as connu plus que Christ. Il est nu comme un ver de terre, sans caleçon. Il est nu. Qui m'excuse, mais c'est comme ça. On l'a mis à la croix. Tout dehors, tout comme un ver de terre, comme il est né là, c'est comme ça, il est né. Ce qu'on appelle l'ignomie. On vous montre télévision, on a habillé Jésus à côté, c'est des menteurs. Il est nu à la croix. C'est quelle humiliation dans la croix. Mais ce n'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui. Amen. Amen. C'est de lui qu'on est en train de parler.
C'est devenu une chose que tout le monde cherche. C'est ça qu'il a dit, la pierre que l'homme a rejetée. Frère, ce n'est pas parce que les gens te rejettent aujourd'hui que tu ne seras pas important demain. Amen. La Bible dit, la pierre que l'homme a rejetée est devenue la principale de l'ancre. Les gens, plus les gens vous rejettent, plus les gens vous humilient, ils attirent le regard de Dieu sur vous. Vous savez, quand les gens commencent à vous humilier, sans le savoir, eux attirent le regard de Dieu sur toi. Parce que Dieu vient à ceux qui sont faibles. Ce sont ceux qui sont faibles que Dieu soutient. Amen. Amen. Dieu ne soutient jamais les gens qui sont forts. Dieu soutient les gens qu'on humilie. Dieu soutient les gens qu'on rejette, qu'on cherche à détruire. C'est vers eux le regard de Dieu se tourne. C'est comme ça. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans la multitude. Tu peux être seul. Tes ennemis peuvent être nombreux. Contre toi. Amen. Si tu as Dieu avec toi, il te fera surmonter tout ça. Amen. Amen. Donc, ne pense pas qu'un homme, non, mais je suis seul. Tu n'es pas seul. Dis à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es Dieu. Tu es avec moi. Amen. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. Ah, je n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Faut pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Ne pense pas que non. Non, la vie, non. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tiens, quelqu'un, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vous savez, plus on te combat, plus on te rend fort. Amen. 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 Regardez-moi, vous dites Amen. 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 Jésus est plus saint. Tu n'as pas seul. Tu es avec Jésus toujours. Amen. Amen. Va, va, va. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. C'est qui se passe en Côte d'Ivoire? Nous, on voit. Je vous avais déjà dit ça, ou bien? Amen. Je vous ai pas dit. Amen. Je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai peur de rentrer dans les détails pour ne pas que les gens récupèrent ça, pour faire de ça un problème. Donc, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit très bientôt, voyez ce qui va se passer. Je vous ai dit. Amen. En tant que prophète, je vous ai dit. Je vous ai bien dit. Et puis j'ai dit aux gens de la Côte d'Ivoire. Pardonnez, je suis pas politicien, mais écoutez-moi très bien. Amen. Même si vous n'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il n'y a plus de prophètes. Écoutez-moi. Amen. Écoutez-moi. Amen. Laurent Gbagbo, il était dans l'opposition. Amen. Amen. Répondez-moi. Amen. Une fois, je vais parler un peu. Une fois, vous me permettez ça un peu. Amen. Aujourd'hui, là, permettez-moi. Si vous voulez affaire, venez, je vous donne ça. Papa, amen. Non, pour vous, je vais vous donner ça. Je vais vous donner affaire aujourd'hui. Parce que franchement, ce qui se passe, on voit, on sait où ça va arriver. On sait où ça tente de venir. Ah, maman, la joie, c'est pas pour nous. Amen. Quand ça va venir, on va crier, on va crier. Papa, on a tout droit à mettre. Ah, donc, nous on entend de parler, on voit. Je vous ai déjà averti. Amen. Gbagbo était dans l'opposition. Amen. Il a fui, il est venu en France. Ils l'ont maltraité jusqu'à n'ont pas mis en prison. C'est pas ça? Amen. Amen. Il n'est pas devenu président. Amen. 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 Répondez-moi. Il n'est pas devenu président. Amen. Amen. On répond. Amen. Alassane Odraman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, son excellence. On vit maintenant comme excellence, donc ça va être excellence. Moi, je ne suis pas politicien, moi, je ne suis pas ni pro-temps, Amen. Pas les pro. Amen. Il n'a pas sauté clôture.
Amen. 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 Oh, papa. Amen. Amen. Et là, je te clôture. Qu'est-ce que mon père dit? Alassane ne va jamais être président. Il ne va pas être président. Et non. Il n'est pas, pour président de nous. Il n'est pas président de la Amen. 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 Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est la même chose en train d'arriver à Soro. C'est là. Amen. Faites attention, l'histoire souvent se répète sous nos yeux pour qu'on regarde. Amen. Oh, amen. 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 Je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de vous dire des choses dans la politique, mais je suis en train de dire, faites attention. Amen. Plus on persécute quelqu'un, plus il devient fort. Amen. Amen. Ah, c'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Si tu vois quelqu'un devenir fort, là, c'est qu'on l'a trop persécuté. Amen. Quelqu'un qui a vécu la maltraitance, c'est un homme qui devient fort. Parce que c'est pour ça que Dieu a fait passer Israël dans le désert. D'abord en Égypte comme esclave. Amen. Pour les former. Amen. Quelqu'un qui a vécu les difficultés, il devient un homme très fort. Amen. Ce qui est en train de se passer, nous on connaît. Amen. Amen. Vous avez tous parlé. Amen. On a regardé. On a tous regardé, on voit. Quelle humiliation les gens n'ont pas connue. Nous, on a vu. L'humiliation la plus totale, c'est d'aller attraper quelqu'un. Et puis, devant tout le monde, et puis le truc. C'est vrai? Amen. Amen. Encore l'humiliation la plus totale, c'est de brûler dans une prison. Amen. Avec toutes les preuves, on dit non, il n'est pas dedans. C'est pas ça? Amen. Il y a des endroits, quand tu quittes là, tu vas là-bas, on ne pense même plus que tu vas venir. Amen. C'est pour ça que, frère, laissez Dieu faire vos paroles. Amen. 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 Ce n'est pas une question de, il est chrétien, il est, non. C'est Amen. Une question de convoi. On a déjà vu. Amen. En vain. Amen. Ce qui est en train de venir, on voit. Amen. On sait comment ça va terminer. Amen. Personne. On a humilié les gens. Personne ne parlait. Personne. Amen. C'est pour ça que quand on vous persécute, laissez Dieu. Amen. 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 Moi, j'ai compris. Hein. Il y a des choses, je ne mets plus ma bouche dedans. Il dit persécutez-moi. Parce que quand je te persécute, là, Dieu, il vient à t'écouter. Amen, yo. Amen, 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 amen. C'est la loi de Dieu. Dieu n'est jamais avec celui qu'on. Non, Dieu est là où quelqu'un pleure. Parce que quand tu te persécutes, là, c'est là que tu dis, hey, Dieu, ton oh Dieu, là, Dieu descend. Amen, yo. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui entend le pensées pour un poulet, un fric, qui dit, oh Dieu. Et puis il pleure, tu es embêté ou bien? Amen. Amen. Quand il y a poulet et frites, on sourit. On sourit. Papa. T'es dans les problèmes. T'es Dieu. T'es Dieu. Dieu descend. Il descend. Amen. Il dit invoque-moi, c'est là ton cœur. Ton cœur. Tu as tellement mal que Dieu dit ce monsieur-là est gémi. Cette femme est gémi. Je descends pour le secourir. Amen. Il fallait quand les gens persécutent. Dis merci. Parce qu'ils sont en train d'aider Dieu à venir vers toi. Amen. Amen. Jésus est puissant. On est d'accord, du voilà. On a vu. S'il vous plaît, derrière. Les gens parlaient du cas. On dit ok. Maintenant, là, tu vois ce que j'ai fait, je vois là, tu as vu et j'ai vu. C'est pas dans ma bouche, tu as maillé ton voisin. Amen. Tu as vu, et moi, je vois et puis on voit ce qui est en train de se passer. Ah. Amen. Je n'ai pas envie de dire des choses ou dire que c'est. Non, moi, je vous ai déjà prévenu. Amen, papa. 2020. Aïe, aïe, aïe. Ça arrête, aïe, aïe. Amen. Aïe, aïe. Amen.
Sinon, c'est parti pour 2 ans. Hein? Ah. Comment nous, on va faire oh, qui est malade là? Ah. Tout ce qu'on peut vous demander, c'est de prier. Hmm. Prier seulement. Sinon, ce qui s'est passé, je vous ai dit. Je vous ai dit qu'ils sont en train de vouloir tuer quelqu'un. Je vous ai dit. Amen. Quoi? Je vous ai pas dit ça ici. Amen. 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 Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Sinon, ils vont les prendre sa petite partie là. Mais je prie. Je suis dans le genou, Seigneur. Il ne faut pas que ça arrive. Amen. Il y a des choses qui vont arriver pour que on nous prenne au sérieux un peu. Amen. Sinon, je vous ai dit. Amen. Ça ne vous a pas surpris. Ça n'avait pas un mois. Je vous ai dit ce qui devait venir. C'est comme ça. C'est ça la connexion avec Dieu. Amen. Amen. Judas a trahi Jésus. Amen. Tu vois là? Amen. Les politiciens, quand tu regardes, il y a quelqu'un qui a trahi son ami pour l'amener en prison. Amen. Amen. Il est parti avec toi. Il va te trahir. Ok. Amen. Bon, je m'amène. Je vais fermer la parenthèse parce que si je vais aller très loin, je n'ai pas envie d'aller très loin. J'ai parti loin. Hein. Voilà, il a commencé là. J'ai envie d'aller très loin. Papa, c'est ça que nous voulons comprendre là-bas. Où. Ah, comme je parle, vous comprenez? Amen. Amen. Et qui arrive à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas petit problème. Hein. Ce n'est pas pour vous effrayer. Mais ce n'est pas petit problème. La côte. Ah! Nos mamans sont là-bas. Nos papas sont là-bas. Évitez de rentrer dans une histoire de politique. Mettez-vous dans la prière. L'église est la politique. Ce n'est pas envie de parler. Ce n'est pas une question de musulmans chrétiens. C'est une question de la Côte d'Ivoire. Prions pour ceux qui sont en train de voir. Amen. Voilà. Sinon, hors caméra, là, il y a des choses que je vais dire après. Et je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie de. Non, donner raison aux gens. Mais prions. Amen. Sinon, Weston, on entend de regarder là. Weston, on entend de regarder là. On sait comment ça va finir. Amen. Ok. Amen. Amen. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est Diago, ce sera souffert. Diago sera souffert. Diago. Il ouvrait le pistolet, il mettait des mains, puis quand il dit tchou, il dit tchou. Mais Ali, il y a ni. Ça doit quoi? Aïe, j'ai ma bouche avec très grave, puis je m'ai pris pour dire non, papa, il y a des choses, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas envie de parler, sinon, Weston, où il est en train de faire Weston? Nous, on connaît. On connaît comment ça finit. On connaît comment les gens dorment chez eux. Chacun dort pas. Sinon, que Dieu nous aide. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Sinon, vous, vous restez là. Nous, on connaît. Comment ça va faire? Il y a des choses pour ne pas provoquer. Il paraît que tu n'as pas terminé. Ah, il y a des choses quand tu provoques, les gens vont le terminer de ça. La vérité, on ne cache pas ça. Amen. Ça va finir toujours par sortir. Amen. Ok. Amen. Amen. Tu es là-bas, là. Tu connais et je connais. Amen. C'est qu'on entend de dire, là. Tu connais et je connais. Amen. Amen. Oh, ah. Comme c'est Weston, on regarde. Mais que Dieu nous protège, que Dieu protège Amen la nation. Yo. Amen. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. La vie des êtres humains, c'est trop sacré pour qu'on puisse penser que la Côte d'Ivoire brûle. Non, c'est des choses qui font mal. Sinon, celui qui règle par l'épée, il périt par ça. Je vous ai déjà dit ça ici. Oui. C'est comme tu es béni là. C'est comme ça qu'il t'en va. Ou bien? Amen. Ah, vous ne me répondez pas aujourd'hui là. Amen. Vous... Amen.
tu as fait fuir quelqu'un, on te fait fuir. Mais c'est la loi, c'est une loi divine. La Bible dit, celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Je vous enseigne ça ici. Je vous ai dit, Kadhafi est venu au pouvoir par un coup d'état. Il a renversé le roi qui dit ça, 1909. Il est parti comment? Je vous ai dit ça ici. Amen. Il est parti comment? Amen. Il est parti, par coup d'état. Thomas Sankara, quand tu vois ses idées, il parle. Mais avant de venir au pouvoir, Thomas Sankara a fait coup d'état. Il a dit comment? Ils l'ont tué. Amen. Ils l'ont tué. Amen. Attention. Amen. La loi, elle reste la loi de Dieu. Amen. Si tu prends ta vie pour détruire quelqu'un, tu ne dors pas. Toute ton énergie, c'est pour aller détruire quelqu'un. Amen. Un jour, on te détruit. Amen. Amen. C'est ça que la vie dit, fait du bien. Et les gens, ils ont une conscience morte. Ça les étonne qu'un matin. Ah non, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu ne sais pas. Zamblé, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Zamblé. C'est pour ça que moi, bien aimé, confiez vos trucs à Dieu. Amen. Ça fait mal. Amen. Vous savez, quand l'ennemi vous attaque, il est content. Amen. Ouh, le diable. Vous voyez, je vous dis, quand Dieu veut rentrer en spectacle pour quelqu'un, il laisse l'ennemi agir longtemps. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Amen. C'est sa stratégie. Et on a l'impression que c'est eux qui ont raison. L'ennemi qui a raison. On a l'impression que... Mais, non, quand Dieu voulait agir pour le peuple d'Israël, il a dit à Moïse, tu t'en vas en Israël, mais je vais endurcir le cœur du Pharaon. Est-ce que moi-même, je vais le tuer? Donc, si un ennemi, il ne vous lâche pas, ça veut dire que Dieu va faire sa sauce. Amen. Amen. Jésus est puissant. Toi, amen. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois en conformité avec sa parole. Amen. Pour sa parole. Il faut que tu sois dans l'obéissance. Alors, plus on t'attaque, plus tu t'accroches à Dieu. Évidemment, les gens, ils te conduisent vers Dieu. Parce que quand tu es heureux, mais ces petits déjeuners pour les placaliers, tu me dis dedans, tu manges, je suis content. Mais plus tu es attaqué, plus tu veux qu'il faut gêner. C'est là que tu te rappelles de ta Bible, faut prier. C'est là que tu pries. C'est en ce moment-là que Dieu vient à tes côtés. Parce que Dieu vient toujours en aide à ceux qui sont faits, mal, persécutés. Il est le Dieu qui soutient ceux qu'on persécute. C'est pour ça que dans la vie, ne persécutez jamais les gens. Ne soyez pas à la base de la destruction d'une vie. Aidez les gens. Parce que tout se paye. Il y a quelqu'un, tout se paye. Amen. C'est un homme saint, il le récolte. Ça va? Amen. Amen. Vous avez mangé le plaquelé aujourd'hui ou bien? Amen, yo, papa. Amen, amen. Amen. Papa, so, on t'écoute. C'est comme ça. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Sinon, ce qui se passe là, je vous ai déjà dit. Je vous ai dit. Amen. Donc, vous-même là, vous êtes déjà averti. Amen. Le film, là, on sait comment ça va finir. Amen. Là, c'est quand vous avez commencé là. Nous, on voit déjà la fin de ça. Amen. Ah, mais c'est pas dans ma bouche, vous allez écouter les choses. Moi, je chante. Non, papa, ça se bat. Amen. Moi, je sais que Dieu me parle. Amen. Parce que je prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Amen. Moi, je sais papa. Je sais comment ça termine. Amen, amen, amen. Moi, je suis pas dans la politique. Nous, ça, là, amen. Je dis ça, amen. Parce que c'est des menteurs, des sorciers.
Il n'y a pas plus un grand que politicien. Amen. Ah, nous, on regarde, on voit. Amen. La seule personne à qui on peut s'accrocher, là, c'est Jésus. Amen. Il n'en tient plus à faire de quelqu'un, il te laisse. Amen. Il va faire que Dieu pour te manger avec Abuja. Amen. 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 C'est que vous avez commencé là. Nous, on va. Amen. Et tu écoutes la Côte d'Ivoire. Amen. Yo. Amen. 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 Et quand nous protégeons des malades. Quand on parlait ça à lui qui est parti en banc là, qui est parti. Il dit, ah non, ça va aller. On dit, ah, faut ouvrir tes yeux. C'est qui est en train de venir. Moi, il était l'un des hommes de Dieu à parler dans l'eau police. Excusez-moi de dire le nom du journal même d'ailleurs. J'ai parlé dans un journal de la place. J'aurais expliqué comment les gars, s'ils ne font pas attention, ils vont se retrouver là. Ils m'ont pas écouté. Et ils m'ont vu en nini-nini. Parce qu'ils avaient un réseau de pasteurs qui était à la présidence. Moi, il dit, ils m'ont venu annoncer que tu n'as pas gagné. Si on te dit ça, à dire, il faut partir. À dire, il faut partir. Si tu t'en vas là, c'est eux-mêmes qui vont te ramener. Alléluia. Ouais, c'est ça. Problème qu'il y a eu dans ça. Chez nous en Afrique, on fait ça. Il a fait comme ça. Parce que tu ne gères plus ça. Amen. Tu veux faire un bris. Ce n'est pas question de bris. Amen. Le monde là, ceux qui gèrent là, ils t'ont lâché. Ils ne sont plus avec toi. Amen. Non, c'est-à-dire que Malachie a dit que. Malachie, il a fait qu'une prophétie s'est réalisée une fois sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que prions hein, pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Amen. Il y a tellement de petits détails dans lesquels Dieu nous peut plonger. Mais je prie que la paix, que Dieu nous aide. Amen. Mais comme tu viens là, c'est comme ça que tu t'en vas. Amen. Ce n'est pas Crasso qui dit, c'est la Bible qui dit ça. Amen. Il a dit à Pierre, celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. C'est pour ça que moi je laisse faire. Jésus a dit à Pierre, il a dit à Pierre, je laisse faire. Sinon je peux intervenir. Mais laisse faire. Parce qu'il y a des choses, on laisse faire. Le plan de Dieu s'accomplit. Jésus l'ont malmêlé. Ils l'ont humilié. Moi quand j'ai étudié la christologie, la vie de Christ, j'ai pleuré. Parce que même les plus proches l'ont régné. Judas est venu pour dire bisous, donne-moi bisous, bisous. Puis il a dit, voici, viens, vendez-le. Ils l'ont vendu comme beaufreton. Vous connaissez le beaufreton sucré là. Maintenant c'est 100 francs, avant c'était 25. Avant beaufreton sucré, 25 avec Coco Baka. Reste tranquille. Tu as fini de manger ça, tu attends 18h pour manger. C'était les femmes gagnées qui savaient préparer ça, mais là, quand tu pleures, tu as 100 francs. C'était dans ta poche. Imagine, quand on était jeune, on faisait des choses. Tu attends, c'est gros quoi. Quand tu finis de manger ça, comment tu continues pour midi là? On appelait ça Guetéba. Non, guettez pas là. Mais sinon, Dieu peut te connaître. Guettez
Les deux bananes qu'on connaissait là, c'était le truc, c'est marron, poisson, trop mais poisson au milieu. Vous connaissez ça, non? C'est le jeu de poisson au milieu. Lui, il est dangereux aussi. Hein. Ah, vous connaissez, on connaît. On connaît nos désirs, ce qu'on attend. Non? Maintenant, ça n'existe pas. Maintenant, c'est Gaba. Ouais. Avant, quand il voyait Gaba, c'est comme on ne trouvait pas. Avant, t'as quel temps? C'est gros comme ça. On connaît ça. Amen. Et Kokubaka. On te donne des voix en place. Tu chicotes ça. Tes yeux brillent bien. Vous connaissez? On se connaît. Non, avant. Tu connais la récréation, tu dis, je n'ai pas fait. Oh, tu es bué. Tu es blindé. Tu es déjà bué. Même parce que tu n'as pas fait, mais tu es blindé. Tu as fait un blindage. Tu es bien blindé. C'est comme ça. Amen. Tu vois, maintenant, tu gardes deux dans chassé. On connaît ça. Et puis tu caches. Tu caches la main chassée dans ton sac. Oui, ça peut aller. Tu peux? Oui, ça peut aller. Très bien. Est-ce que tu sais moi ce que j'ai chanté? On dit, je vais chanter pour lui, tu as eu ton petit foyer, il faut attraper. Parce que le foyer que Dieu t'a donné là, c'est pour toi. Le travail que Dieu t'a donné là, c'est pour toi. Amen. Il ne faut pas aller parler ça aux gens. Amen. Parce que, pour ne pas prendre le problème de ton foyer, pour aller à Dieu, on dit à quelqu'un, pour ne pas prendre ton problème de... Parce que tu ne sais pas, on ne sait pas qui est qui dans la vie, on ne sait pas qui est qui. Oh, amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Je ne suis pas là-bas, donc ça me fait mal. Ouais, c'est ça. Moi, je suis chanteur. Je suis un chanteur. Tu peux faire ma double? Oui, on peut aller. Oh, qui veut nous? Oh, qui veut nous? Oh, qui veut nous? Oh, qui veut nous? Tu peux prendre? Oh, qui veut nous? Oh, qui veut nous? Oh, qui veut nous? Oh, qui veut nous? Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Jésus est joyeux aujourd'hui.
Il n'a qu'à rester près du tam-tam dans le tam-tam. Il est où le tam-tam? Je suis là. Il le voit. C'est quand tu vois l'inspiration. Nous, on craint. Très bientôt, mon dernier album, Zoubou Gospel, va sortir. Amen. Amen. Jésus. Tu n'as pas dit qu'il n'allait pas te tromper. Amen. La foi. Tu vas voir la vérité. Wow. Pasteur Serge, sans tam-tam, a cappella. Ok. Elle dit ça, tam-tam. Ne sois pas surpris, chanteur. Amen. Amen. Papa. Voilà, je suis après prêcher. Je sais bien chanter. Amen. Amen. Je chante bien même. Oh, papa, tu chantes bien même. Tu as bien compris. Amen. 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 Fais attention. On ne te sait jamais. Il y a trop de trahison. Je n'ai pas mis de trop à l'extrême. Pour pas que vous allez pirater ma chanson. C'est fini. Aïe. Tu vas te déraciner. Pourquoi vous allez vous donner l'explication? Il y a trop de pirates. Voilà. Ne donnez pas l'explication, sinon ils vont partir avec ça. Moi, il y a trop de chants que les gens ont chanté. Beaucoup. Les Zoubous, là, il y a beaucoup de gens qui ont pris mes chansons pour chanter. Amen. Ah, on les connaît. Amen. Oh, guimé-moi. Oh, guimé-yirounou. Oh, guimé-yirounou. Oh, guimé-yirounou. Oh, guimé-yirounou. Oh, guimé-yirounou. Yeah, oh, guimé-yirounou. Oh, guimé-yirounou. Tic tac,
Dieu. Je suis à tout ça. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui est béni. Il y a quelqu'un qui est béni. Tu es béni. Tu es béni. Dieu, tu es béni. Amen. Tous mes enfants, vous êtes bénis. À partir du premier verset. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en lui, qu'elle a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Amen. On s'arrête là. Amen. Vous savez, quand Dieu te fait, t'accorde une longue, une année de plus, tu ne vas pas te taire. Amen. Tout ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est la louange. David dit, il est clair, il dit, chante à l'Éternel un cantique nouveau. Le verset 1 des 149. Voilà. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Le verset 2. Car Israël chante ses louanges. Vous voyez, donc c'est très important, n'est-ce pas? Le verset 4 dit, car l'Éternel prend plaisir à son peuple et glorifie. Et glorifie les malheureux et en les sauvant. Ça y est, malheureux, quand tu es dans le malheur, et c'est ce qu'il dit, quand tu restes dans une position de mal, quand tu es dans une position où les gens te persécutent, sans le savoir, ils attirent le regard de Dieu vers toi. C'est comme quelqu'un qui tombe dans un puits, quelqu'un qui est quelque part, qui entend de lancer des cris d'alerte. N'est-ce pas? Je pense que les gens feront l'effort pour l'aider, même si bah, les gens feront la première des choses. C'est de comment le faire sortir de ça. Et puis maintenant, lui demander comment ça t'est arrivé. Alors, quand vous mettez quelqu'un, vous persécutez une personne, ou du moins vous êtes persécuté, que l'ennemi cherche à vous détruire, ben, l'ennemi même cherche, il envoie le regard de Dieu sur toi. Il envoie le regard de Dieu sur ta vie. Il attire l'attention de Dieu. Et c'est cela que vient le mettre tous ceux qui ont été persécutés dans la Bible, tous ceux qui ont été, n'est-ce pas, attaqués, n'est-ce pas, d'une manière terrible. Ce sont ces personnes-là que Dieu a toujours aimées. Plus on t'attaque, plus Dieu t'élève. Voilà. Ayez Dieu comme appui. Amen. Dieu, il est toujours en faveur de ceux qu'on maltraite. Dieu en est toujours en faveur de ceux qui sont faibles. Dieu n'est pas dans la multitude. Au contraire, quand tu es libre contre toi, qu'on cherche à te détruire, c'est en ce moment-là que Dieu t'élève. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez que pour que tu sois élevé, tu vas forcément connaître l'humiliation. Même l'humiliation la plus totale de ta vie. On a vu Jésus, ce qu'il a vécu. On a vu même les hommes politiques, ce qu'ils ont vécu. Il y a des gens qui ont vécu pire. Mais après ça, Dieu les a élevés. Les gens peuvent eux-mêmes nous accuser à tort. Et puis un matin, eux-mêmes, la seront un jour confondus de voir Dieu. Vous savez, les gens, ils ne savent pas. Si vous savez ce que Dieu fait pour vous dans le secret, vous n'allez pas donner raison à vos ennemis. Il y a des gens qui sont là, ils pleurnichent. Il y a des gens qui sont là, n'est-ce pas? Ils se mettent là à pleurnicher. Ce que je vous conseille, c'est de compter sur Dieu. Amen. Nous rentrons dans une nouvelle année. C'est d'espérer. Personne n'est le maître de ta vie. Personne ne pourra décider de ton sort sans que Dieu ne valide ça. La Bible dit, il n'arrive qu'à l'homme ce que Dieu aura décidé. Peu importe une armée qui se ligue contre toi, peu importe les gens qui se ligueront contre toi, mais le dernier mot
revient à Dieu. Dis à quelqu'un, le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à Dieu. Alors, toi, ce que tu dois faire, c'est de te taire. Regardez tous ceux qui se sont tués, qui n'ont même pas répondu à l'adversité. C'est ça que Moïse a dit. L'Éternel combattra pour nous, mais vous gardez le silence. Amen. Amen. Ils n'ont plus les gens, les envoyés à ce pays. Ils n'ont pas parlé. Il y a déjà eux-mêmes, lui, ils ne parlent pas. Mais après, ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Dis à quelqu'un, ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Parce que la personne s'est confiée à Dieu. Elle m'a compris. Amen. Oui, parce qu'à un moment donné, peut-être que la personne a posé un acte qui n'était pas bien louable. Et donc, il est resté dans une position. Dieu a permis qu'il rentre en prison là-bas et qu'il prenne conscience. Et que de la prison là-bas, qu'il comprenne. Il a demandé peut-être pardon. Dieu l'a fait sortir de la prière. Amen. Il y a des coins ici, tu rentres, si ce n'est pas la main de Dieu, tu ne sors pas. Amen. Amen. Ils sont là. Chacun a parlé. Chacun a été humilié d'une manière. Mais il y a des humiliations, ton matériel. Tu te dis, mais est-ce qu'il peut, il peut un jour sur nous? Est-ce qu'il peut un jour, n'est-ce pas, remonter la pente? Est-ce qu'il peut un jour se positionner? On a vu. Comment le monde entier s'est acharné sur le type. Ils l'ont pu l'ont jeté, ce qu'on appelle l'homme de la vallée de la mort. Parce que quand il rentre là-bas, là, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas. On a fait jusqu'à. Moi, je ne suis pas politicien, hein, mais je suis en train de vous dire la vérité. C'est la vérité. Et souvent, quand on parle de la vérité, pas qu'on prend, on prend position. Moi, je ne prends pas position. Hein. Moi, je ne suis pas un politicien. Amen. Non. Je ne pousse pas les gens, je ne peux pas même citer les gens là, c'est pas mon Dieu. Ah, le gars est sorti. Mais regardez ce qui s'est passé après. Les gens sont restés mieux, ils ne parlent pas. Amen. Amen. Ils ne parlent pas. C'est maintenant que vous êtes en train de parler. Amen. Amen. Ah, c'est comme ça. Vous savez qu'à un moment donné, frère, que tu as compris que avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Tais-toi pendant que les ennemis t'attaquent. Pendant que les gens te persécutent, garde ton silence. Ce que tu as à régler, règle-le. Ce que tu dois comprendre d'une persécution, saisis le message. Et va-t'en. Continue le chemin. Mais Dieu, qui est le Dieu de miséricorde, qui est le Dieu de la grâce, c'est Dieu-là, tôt ou tard, il confondra tes ennemis. Amen. T'as ça à nous entendre à assister. Amen. C'est ça, regarde. Ça a commencé. C'est comme ça que Dieu va te défendre. N'essayez pas la provocation. Et ne soyez jamais à la base de la destruction d'une vie. Et ça, je vous conseille ça toujours. Là où on fait de la méchanceté, là où on va détruire, si vous faites ça, ça va se retourner tout à l'heure contre vous et contre votre famille. Même détruire, vilipender quelqu'un, l'insulter, c'est un crime contre le sang. Je vous conseille ça dans les Lévitiques. Amen. Ça soit là en train de faire affairage, parler mal de quelqu'un. Parler mal. Amen. Crime contre le sang. On a vu. Il y a des choses, il n'a pas envie de parler. On va dire, ah, maintenant la lune, tu n'as pas envie de déborder. Sinon, j'ai parlé. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Gardez le silence. Amen. C'est dans l'adversité qu'on devient sage. Amen. C'est quand tu combats, tu deviens intelligent. Amen. Moi, je ne pensais pas que l'homme pouvait détruire celui qui lui a donné un jour à manger. Amen. J'ai même pensé ça. J'ai enseigné ça. Amen. Mais je n'ai pas imaginé. Or, j'ai vécu ça. C'est ce que tu vis là. Le mieux, c'est ce qui enseigne plus que ce que tu lis. Amen. Alors, ça n'exclut pas la prudence. Mais vous,
Toute foi que vous pouvez faire du bien aux gens, faites-le du bien. Et laissez Dieu vous venger. Amen. Et ça, moi, j'ai appris ça dans les moments les plus difficiles de ma vie. J'ai appris à me confier à Dieu. J'ai appris à compter sur lui. Amen. Alors, que l'année 2020 soit pour vous une année meilleure. Amen. Alors, l'église met le responsable, je l'ai déjà annoncé, je vous reçois ce mardi. Ce mardi à la fondation. Avec les élèves, les enfants de la fondation, pour vous présenter mes meilleurs vœux. Parce que cette année-là, j'ai senti l'œuvre et la puissante main de Dieu dans ma vie et si vos vies. J'ai senti la loyauté de l'Église. J'ai senti l'amour de l'Église. Et ça, c'est très important. Chaque année, il y a une leçon qu'on doit tirer pour avancer. Ben, comme toutefois, tout ce qui est trahison, quelqu'un qui a une fois trahi, il va toujours trahir. Amen. C'est comme ça. Ah ouais? Amen. Faites très attention. Amen. Moi, je crois en Dieu. Je m'attends tout de l'homme. Je m'attends maintenant tout de l'homme. Amen. Amen. Ceux à qui je dois croire, je crois. Mais je ne crois pas à l'homme 100%. Je suis désolé. Maintenant, ça va, je faisais, je crois. Maintenant, là, je fais comme ça. Vous savez pourquoi Caïman, il dort et puis tu n'aimes pas les chiffres. Vous savez là. Allez demander à Caïma pourquoi il doit être juste, on va faire. Non, Caïma, il sait tout. Vas-y, dis, on ne sait jamais. Parce que même mon voisin qui est à côté, il peut peut-être me manger. Mon cousin qui est là, il peut me manger. Malheureusement, même dans l'église, j'ai la méchanceté. Malheureusement. Les gens, faites du bien. Voilà. Que 2020 soit pour nous une année meilleure. Amen. C'est lui qu'on rejette. Il devient toujours principal de l'homme. Amen. Quand vous rejetez une personne, quand vous maltraitez une personne, Dieu va l'utiliser. Amen. Pour vous confondre. Amen. Et comme ça, Dieu va t'utiliser pour confondre tes ennemis. Amen. Ne vois pas ça comme nos yeux. Non. C'est un passage pour que ça te serve de témoignage. Sauf cela, si tu as un truc, il faut fermer ta bouche. Amen. Il faut garder ça. Amen. Vous qui en parlez beaucoup là. Amen. Vous gardez. On ne sait pas qui est qui. Amen. Vous ne pas te lever comme ça, vous dites, voici, ça va, je m'en vais à Paris. Ah, tu vas aller, j'ai une visa. Non, j'ai déposé mon passeport. Elle va aller bloquer ça la nuit. Amen. Il va bloquer tout. Tu vas avoir migraine et tu vas avoir abaissé. C'est pas tout on dit. Amen. Amen. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on garde. Vous savez, crocodile, quand il dort, il ne ferme pas les yeux. Même avec sa maman crocodile, il a peur. Parce qu'on ne sait jamais si elle a faim, elle est moche. Madame, maman est mauvaise. Ah, maman faim, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Que Dieu vous aide. Amen, papa. À toi demain. Amen. Très heureux de passer un bon moment avec vous. Amen. Amen. On m'appelle Djoro. Je suis né le 1er janvier. Ah, Djoro. Hé, hey, papa. Hein? Ton nom est pas, hein? Papa, Djoro. Donc, je regarde quand même l'anniversaire, non? Mon Djoro, là, il attend ça. 31, là. Ah, 31. Ah, les femmes de l'église, là, mon Djoro, là. Vous avez compris, j'ai compris. J'attends. Tu as bon, Djoro. Les fils spirituels. La chance. Ils sont dans l'église, là. Vous avez compris, j'attends. C'est quand vous faites anniversaire, si on a eu différents vagues, il est manifeste. Donc le retour à l'envoyeur. Celui qui a envoyé, il a venu lui. Alpha Blondie, vous pouvez fêter son anniversaire, il a pris 1 million de livres. Dja, vous pouvez, tiens. Tiens, 1 million. Il faut dire, ah, depuis que je suis né, moi, mes ministres n'ont jamais réfléchi à ça.
Le gars est parti l'appeler, il dit, viens petit, viens petit. Il a pris 10 millions de tiens. Il est intelligent. Alors mon anniversaire, c'est le 30e. Parce que déjà le 30e, la nuit, je suis déjà premier. Dieu m'a tellement bien créé que mon anniversaire, tout le monde fête. Tout le monde fête ça. Tu es fâché ou tu fêtes mon anniversaire. Papa. Tu es contre moi, celui-là, tu m'as pris. Celui qui est contre toi, c'est que. Il n'a pas un chien. Tu n'es pas Dieu, tu m'aimes pas, tu fais ça quand même. J'ai envie de faire contre lui. Tu ne veux pas aller te faire. Papa? Papa, saut. Non, je te salue, je dis personne ne peut pas être contre toi. Non, j'aime que les gens soient contre moi, pour que Dieu soit. Amen. Oui. Pour que les gens soient contre moi. Pour que Dieu soit avec moi. Si les gens ne sont pas contre moi, Dieu ne serait pas avec moi. Amen. Non, si les gens t'apprécient, Dieu va plus t'apprécier. C'est quand les gens te rejettent que Dieu te prend. Amen. Donc, il faut que mes ennemis deviennent beaucoup. Amen. Comme ça, Dieu va me lever. Amen. Papa. Ce que tu dis là, il n'y a pas faux dedans. Comme ça. Djorignan. On m'appelle Djoro. Je suis chanceux. Comment tu penses que tu m'as écrit? C'est là Dieu. Élevé, élevé. Lui-même, le Djoro. C'est Djoro, c'est pas Djoro. Amen. Amen. Mais ce n'est pas croyez en vous et croyez en Dieu. Croyez en vous. Le chemin est déjà tracé. Ce qui doit vous arriver va arriver. Vous, ne vous détournez pas du chemin de Dieu. Approchez-vous à Dieu, vous verrez la puissance de Dieu. Amen. Alors, tu as quelqu'un, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. J'ai été très heureux. Dieu te bénisse. Très heureux, très heureux, très heureux. Que Dieu vous fortifie. Amen, papa. J'ai essayé d'appeler Denise, j'ai parlé avec des femmes. Il faut qu'on en parle parce que je vais mettre un truc en place. Bon, tout à l'heure, il faut qu'on parle tout à l'heure. Qu'on coupe, je recevrai dans le bureau, je vous reçois tout à l'heure dans mon bureau pour échanger avec vous. Amen. Parce que j'arrive très bientôt là. Amen. Papa. Après tout aussi pour mon dernier album parce que je suis en train de préparer quelque chose. Alors soyez fortifiés. Amen. Je vous bénis. Amen. Amen. Je vous bénis. Amen. Que 2020 soit une année meilleure. Amen. Que Dieu vous ouvre les grandes portes. Amen. Que Dieu ne donne pas raison à vos ennemis. Que vous avez des ennemis, hein? Mais que Dieu ne leur donne pas raison. Faut pas que Goumen finisse 2020. Goumen, il faut que ça arrête. Et tu as trop eu Goumen. Trop eu Goumen. Le soir même, la nuit, tu pleures sur. Le Goumen est trop dangereux maintenant, c'est trop dangereux. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse, que Dieu vous aide. Amen. Que vous aide pour le mariage. Pardonnez, pardonnez, enregistrez, arrêtez-les, écoutez. Qui vous donne l'homme et la femme de votre vie. Amen. Quelqu'un qui vous aime ne va jamais vous détruire. Amen. Ouais. Alors soyez fortifiés. Amen. Et bénis dans le nom de Jésus. Je suis en train de faire parler, pasteur. On n'a pas assez de temps, mais surtout on aura un bout de temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de louange. Je parlais comme ça avec l'église. Aujourd'hui, c'est pour parler avec l'église le dernier dimanche. Amen. Donc j'aurai le temps, je vais pas. On va vite finir. Et quand on va rentrer par la grâce de Dieu, ceux qui sont venus pour éventuellement leur délivrance, je vais les écouter, prier pour eux. Ce que je dois confier au pasteur, c'est je vais le faire.
Voilà, Amen. Donc on sera ce soir. Amen. Voilà, on sera ce soir parce qu'il faut que vous rentrez pour aller fêter la fête de Gyo. Amen. Merci, papa. C'est vraiment la fête. Donc, ma fête là, c'est contre moi ou tu m'as voulu, c'est tu vas fêter. Merci, papa. Quand tu dis janvier, c'est pour moi. De tout mon cœur. Janvier, tout dans Kanoubo. Non. Le 31, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Mettez Dieu au devant, il va vous bénir. Amen. Si vous commencez avec Dieu, il finira avec vous l'année. Amen. Alors, vous soyez sûrs, je vous fais la promesse que ce soir, tout à l'heure, je serai avec vous, vous écoutez, éventuellement, vous écoutez sûrement et vous apportez mon aide. Voilà, je vais vous apporter Amen. Franchement mon aide, vous aider par la grâce de Dieu ce soir. Écoutez Amen. Tout le monde, ceux qui ont les cas sérieux, vous exhortez, vous aider par la grâce de Dieu. Comme ça, on peut vite vous libérer demain. Comme ça, vous allez aller préparer et puis fêter Job. Amen. Vous allez manger. Ce jour-là, il faut te souvenir que c'est mon anniversaire. Amen. Amen. Pendant que tu manges, tu me bénis. Je vous bénis. Amen. Je suis en train d'organiser un grand truc pour le personnel de la fondation et le personnel du centre à la fondation. Les pasteurs sont déjà au courant. Hein. Tous ceux qui sont là sont déjà au courant. J'aurai l'occasion de vous partager la grande vision de 2020 Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors, j'ai senti. Moi, je suis avec les gens à longtemps. Hein. La plupart sont ceux qui sont restés avec moi. Les Denis Lasserre. Amen. C'est là plus de 6 ans qu'on est ensemble. Amen. Le pasteur, c'est plus de 10 ans. Amen. Dans la saison, ceux qui sont venus, ils sont partis. Amen. Sinon, les gens sont là. C'est Eko, ouais, là. C'est Eko et moi. Amen. C'est plus de 16 ans. Amen. C'est Eko. Amen. Je suis quelqu'un, j'aime bien garder. J'aime bien entretenir mes relations. Amen. Et c'est pour ça que quand Jacques dit, je prie, je dis, Seigneur, celui qui n'est pas bon, qui quitte ma vie. C'est Amen. Comme ça toujours. Il y a toujours un vent qui souffle. Amen. Ah oui? Amen. Alors, ceux qui sont vraiment amoureux, parce qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie, mais qui sont là pour apporter quelque chose de bon. Amen. Oh, il y a des gens qui sont en mission. Et ils vont vite partir. Or, si tu as trahi quelqu'un, ils vont te trahir. Amen. Si tu as détruit, ils vont te détruire. C'est Amen. Tu ne peux pas vouloir détruire et puis aller construire. Amen. Tu seras détruit. Amen. On entend de regarder, on voit. Celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Amen. Alors que Dieu bénisse. Amen. L'église de Divo. Amen. La fondation, le personnel, tout ça. Amen. L'église aussi des Arocos.